Ça va? Ouais. Tu fais quoi? Ben, je l'attends là. Je peux pas te laisser faire ça. Je peux plus te laisser faire ça. Ok. Je pars maintenant. Non, je pars pas, je t'en supplie, Farah, arrête. Arrête. Arrête quoi? Arrête quoi? Tu te rends pas compte que t'es en train de te faire du mal? C'est hein? Ma vie. Tu te rends pas compte que t'es en train de faire du mal à tout le monde? Mais c'est pas vos histoires, hein. C'est pas nos histoires. Mais on t'aime, ok? Je t'aime. Et t'en as rien à foutre, en fait. Ah bon, tu m'aimes? Ouais, je t'aime, ouais. Alors pourquoi tu comprends pas? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi je comprends pas? Tu crois que j'ai pas essayé de te comprendre? Hein? Tu crois que j'ai pas essayé? Tu sais quoi, je te vois, t'es pas heureuse. Si, je... Non, t'es pas heureuse. Si, il me rend non, heureuse. Non, non, arrête. Arrête. J'arrête pas. Je l'aime. Tu crois que je suis en train de te demander d'arrêter de l'aimer? Tu comprends rien. Tu comprends rien. Écoute... Caroline, il va arriver là, donc faut que tu partes. Je suis désolée. Tu m'as tellement manqué. Tu me manques aussi. Tu rentres pas? Farah, faut qu'on parle. Non, faut pas qu'on parle, pas maintenant, là, pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est notre jour. Hein? On a un programme à respecter. Un rendez-vous par an. T'es sûr que ça te suffit? Ça fait 5 ans que ça dure. Tu sais ce qu'on dit? Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. S'il te plaît, Zach, gâche pas tout. Non, je t'aime. Bon, alors, c'est quoi le programme? On fait comme chaque année. Vous attendez du monde? Non, on est au complet. Ok. Je vous sers quoi? Un allongé, s'il vous plaît. Ça marche. Et tu veux une noisette, comme d'habitude? Ouais. Et une noisette, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ben, c'est pour maintenant, là, la commande. C'est pas pour dans 10 ans, par contre. J'y vais, j'y vais. Ouais. Donc, un allongé, mais qui est chelou, quand même. Ah non, c'est toi, t'es comme ça. Quoi, c'est moi, il va gâcher notre journée, là. C'est comme quand tu conduis. Pourquoi je me tape toujours ceux qui roulent au ralenti? Je me tape que des cassos. C'était vite quand même, nous deux. Ah, mais moi, je me souviens de ce premier rendez-vous. Et j'étais tellement stressée que j'avais fait un détour avant de te retrouver. Tu te souviens de ça ou pas? Ah bon? Mais oui, je te l'avais dit. Je savais pas, ça. Mais si. Pourtant, on s'était parlé un mois avant de se voir. Ah, tu te souviens de ce jour-là où on avait décidé de ne pas se parler pendant 24 heures pour voir si on n'était pas accro l'un à l'autre? Mais genre, 24 heures, c'était la fin du monde, quoi. Dingue. Et moi, quand je t'avais vu là avec ta veste bleue, je te jure, ce premier rendez-vous. Merci, monsieur. Tu sais, avec ta veste bleue, t'étais mais tellement beau. Mais genre, tu me parlais, j'étais tellement gênée que je me cachais le visage dans mes mains. Ouais, je te jure. Moi, j'avais adoré ce premier rendez-vous. Adoré. Tu disais que tu voulais juste rouler, écouter de la musique. On était partis voir les chevaux. Puis on s'était arrêté dans le parking là pour discuter toute la nuit. Et tu m'avais même acheté des bonbons. Ouais, je me souviens. J'avais pas mes clés pour rentrer. Ah oui, ouais. Et tu disais que tu voulais pas être en couple. Et moi, je te disais la même chose. Ouais. On était cassés tous les deux. Puis tu m'as dit, viens, on s'embrasse. De toute façon, un baiser, ça compte pas. Je crois que c'est ça qui m'a réparé, moi. Enfin, tu crois. Hein. Toi, c'est quoi qui t'a réparé? Arrête, Farah. Tu la bois pas, ta noisette? Eh, c'est n'importe quoi, là, ce rendez-vous de Saint-Valentin. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre comme ça. Je sais que je peux vivre comme ça, en fait. Moi, je peux vivre comme ça. Ça me va vivre comme ça.
se passe bien? Hey, t'es sérieuse toi là? Hey, pourquoi tu t'amuses à ça? Hey, tu m'embrouilles pas comme ça, t'es qui toi? Tu t'inquiètes? Mais t'es malade ou quoi? Tu crois que tu parles à qui? Tu veux une cigarette? Ah, j'avais oublié, tu fumes plus. C'est vrai, j'avais oublié. Tu sais pourquoi je fume? Parce que l'odeur de la putain de cigarette, elle me fait penser à toi. C'est pas une excuse, hein, c'est la vérité. J'en suis là. Tu sais ce que ça fait? De se lever chaque jour pendant 5 ans avec ton image, de se coucher chaque jour pendant 5 ans avec ta putain d'image fatiguée. Tu sais ce que ça fait? De dormir toute seule, d'avoir froid? J'ai froid, putain. Moi, je t'aime. Pourquoi t'as tout gâché? Pourquoi? Je suis désolé. Ouais, c'est ça. T'es désolé? Hein, t'es désolé? Tu sais quoi le plus triste, là, dans cette histoire? C'est quand t'aimes quelqu'un qui veut pas de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. Tu le sais. Tu m'aimes. En fait, c'est ça le plus triste. C'est quand deux personnes s'aiment et qu'elles peuvent pas être ensemble. C'est archi belle rôle. Tu veux que je te dise ce qui m'a réparé? C'est toi. Avant de te connaître, j'avais peur quand la nuit tombait. Parce qu'elle m'enfermait avec mes échecs. Je m'enfonçais chaque soir un peu plus. Jusqu'au jour où j'ai croisé ton regard. Tes yeux magnifiques. Tes mots, c'était comme des pansements. T'as balayé toutes mes peurs. Tu m'as fait comprendre l'amour. Tu sais, ce soir-là, le soir de notre premier rendez-vous, bah, j'étais aussi stressé que toi. Je me rappelle de chaque instant, chaque mot, chaque geste. Je me rappelle des longues heures qu'on a passées dans la voiture, à parler de tout et de rien. De ton rire qui n'en finissait pas. Et je me suis dit, il faut que je l'embrasse. Je savais que ça comptait énormément. Et dès que j'ai posé mes lèvres sur les tiennes, ça a scellé mon amour. J'ai compris que je voulais finir ma vie à tirer des lanternes avec toi. T'as pas de mouchoir, toi, je suppose. C'est pas un mouchoir qu'il te faut, c'est une éponge. C'est toujours te faire préférer les roses rouges. J'aime pas les fleurs. Bah, je t'en achète pas alors. Ah ouais, ça fait. Je vais t'en acheter quand même. Et en plus, t'en as plein chez toi. Mais non, garde-les, t'es belle avec.
Merci. Pour? Pour ce que t'as dit tout à l'heure. Ah, il faut que t'avances. Est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr. Ça bouge pas, ça. Ça reste figé dans le temps. Mais c'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureuse. Tu me manques. Farah, vis ta vie, sois heureuse, fabrique-toi des nouveaux souvenirs, voyage, fais de belles rencontres. T'es une femme en or. Plus que n'importe qui, tu mérites d'être heureuse. Je veux entendre ton rire pour l'éternité. Donc c'est fini. C'est fini. C'est parfois même aussi que le visage d'un autre.